Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu Pixel Shinobi, Nine Demons of Mamoru plutôt, voilà. Alors, je vais sur la page de Steam pour vous le présenter. C'est un jeu sorti le 10 mai 2017. C'est récent, depuis le temps de cette vidéo. Développé et édité par Amethyst Studio. Dans le genre, un jeu indépendant, hein, mais ça en général, c'est un peu la formule, comme ça arrive quand je fais des jeux AAA ou des jeux plus importants. Donc un jeu indépendant en accès anticipé sur Steam au prix de 15,99€, c'est quand même assez cher en termes de contenu, enfin, en termes de prix, et on voit des petits contenus derrière, sera conséquent. Un jeu d'action, platformer un petit peu également, où l'on incarne un shinobi, je crois que c'est un ninja, non c'est pas ça, j'ai dit de la merde. Je sais plus quel nom ça, les ninja, on appelle ça les ninja, mais c'est un autre nom je crois. Japonais, enfin, je sais pas en fait, je suis absolument pas les. Je dirais la culture derrière ça. Bref, on incarne donc un ninja du clan du Black Lotus qui doit confronter les 9 démons de l'enfer et le clan des samouraïs nommé le Steel Claw qui veulent conquérir le monde. Voilà, c'est la description Steam, je vous mets le lien dans la description. J'ai fait un petit peu, enfin moi c'est le visuel qui m'a attiré, hein, comme souvent d'ailleurs. Je regarde un petit peu ce qu'il y a comme jeu disponible, je regarde quelques screenshots, des fois des trailers si je veux vraiment en voir plus. Et après je teste ça. Et du coup c'est vraiment les visuels, le visuel qui m'a intrigué. Le fait que ce soit un platformer 2D un petit peu avec de l'action, avec du combat. Et j'ai joué un petit peu et pour tout vous dire, alors, je vais mettre juste un full screen, voilà. Les animations sont très sympas, les couleurs aussi sont cool, et le ressenti niveau... Ah zut, faut juste que je passe mon clavier en QWERTY, alors attendez, tac, et le petit ressenti que j'ai eu pour mes premières minutes de jeu était quand même très agréable. Et donc on va découvrir ça plus en longueur ensemble, pour vous le présenter. Ok, donc A, go left, et D, go right, voilà. Ok, alors moi je suis avec en QWERTY, du coup c'est pas les mêmes lettres exactement. En haut à gauche on a notre barre de vie. En haut à droite notre objectif, parler au sensei, des pièces à ramasser en haut. Space pour sauter, voilà. Et donc, du coup vous voyez un petit peu l'animation, là je vais faire un double saut, enfin double, c'est un double saut. Je peux grimper sur les branches, c'est sympa. Alors, je crois que c'est W, attendez. La pièce. Les animations sont très sympas, je trouve ça très fluide en fait. Et assez fun à jouer. C'est dommage qu'on puisse pas jouer derrière la manette parce que du coup il y a pas mal de touches, pas mal d'actions qu'on peut faire. C'est un peu dommage qu'on puisse pas jouer à la manette. Alors presse W near the wall pour faire un wall run. Alors moi ça va être Z normalement. Voilà, c'est ça. Ok, d'abord, il faut d'abord sauter et après faire le wall run pour le franchir. To overcome the height wall, voilà, make the height jump and then wall run. Voilà, ok, c'est ça. Non, pas l'inverse. Ok, hop. Là, j'ai eu chaud. Cut the route to go through. Alors, j'ai cut attack. Ça touche, c'est vachement loin pour moi. Ok, il faut que je joue les deux mains en fait sur le clavier, mais c'est pas très agréable. C'est pour ça que je vous disais. Que la manette aurait peut-être été préférable. Open chest. Oh, on a eu des trucs à lancer, je sais pas comment on fait. Il n'y a pas de musique, c'est bizarre. Comment ça se fait? Et on peut se faire seppuku aussi. Il faut toujours me marrer ça. Enfin, c'est pas drôle en soi, mais le fait dans les jeux voilà, où on incarne des ninjas et tout, on puisse faire ça. Il me semblait que c'était là, non? Peut-être pas, non, je sais pas. Tac, tac, tac. Ah non, c'était ici. W pour open the door. Et entrer, voilà. Sensei, Hideaki, I have job for you. I am ready, Sensei. Off the east of our village, there is a camp of bandits in the forest. Few weeks, they have ravaging neighboring... Neighborhood, je sais pas ça disait. Villages. You must stop them. Yes, Sensei. Ok, on va pas plus à comprendre. On doit aller buter des bandits à l'est du village. Alors j'ai les shurikens, je sais pas comment m'en servir. Oula.
passe d'un écran à l'autre. Éliminer 20 bandits, tuer tous les ennemis. Ok. H bloc, G attaque. Ok. Look, who's this? Hey, Shank. Look, why don't you run away like all the others? You want to die? Can't wait to smash his head. You talk too much, just kill him. Ouais, je suis en train de parer ses attaques, je regarde un petit peu. Alors, du coup, ma barre de vie, je sais pas laquelle que c'est. Puisque je sais pas si j'ai pris des dégâts, on va dire. Ok. Oh, je lui ai démonté la tête. Ok, alors je récupère des trucs. Ah, merde, ok, ma barre de vie, c'est celle-là. Ouais, il balance des bombes, le mec. Ok. Hop là. Bon jump, voilà. Loupé René. Et lâcher un 9. C'est pas un 9 en fait. Ok. Ouais, c'est vraiment le défaut. Enfin, le défaut. Enfin, le moins... Ah, la piège. Le mot est un peu fort. Et merde, le con. C'est les contrôles en fait. Vraiment, ouh, dommage qu'on puisse pas jouer à la manette. Alors ça sent le... Le piège, il faudrait que je récupère de la vie là. On peut se baisser également. Ouh. Ah, il ne reste pas ce qu'ils ont enlevé. You are dead. Try again. Et ok, on recommence là, c'est pas grave. Ah, c'est là que je peux en balancer mes shurikens. Ouais, blablabla, ok. Ok, j'ai trouvé la touche pour balancer mes shurikens. Cool. Aïe. Aïe. Ouais, non, je vais me prendre des dégâts si je récupère les items. Ouf. Hop. Putain, j'ai pas du mal de vie rapidement. Oh ok, ah, vraiment les contrôles, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. On bourre les boutons. Ah purée, il m'a plein de vie. Ok, bon, je vais essayer de perdre moins de vie déjà. Ah, c'est vraiment les... Les touches sont pas apparemment agréables. C'est pas une bonne prise en main. C'est vraiment dommage hein, qu'il n'y ait pas la manette. Ça, c'est de l'exécution. Ok, pas mal. Oh oh, cette exécution sommaire. Ok. Il balance des cailloux, ouais. Alors, on a des items en bas. Je regarde, je fais un peu toutes les touches pour voir ce qu'il nous propose. Alors, on peut se... Je sais pas si on peut se niquer, je vais en faire des... Tab, Shift, Control. Non, je sais pas. Ok. On progresse. Un checkpoint, ça. Parfait. Salut. On va avoir fini là, de devoir tous les buter. À louper. Wow. Limite. Il reste pas que mais là-haut, là, il m'a vu. Ah, je l'ai pas encore, oh non. Checkpoint, ok cool.
Bah en tout cas c'est très cool, moi j'aime beaucoup. C'est juste la prise en main qui est un peu difficile. Lol, mais donc j'avais... Ah, il n'y a pas à recharger toute la vie en fait, c'est pour ça, d'accord. Ah, on peut couper les verres, c'est cool, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. On ramasse pas d'items, je sais pas à quoi ça sert. Je suis concentré. Ah, mais là, par contre, c'est pas grave. Et merde. Je suis tombé avec le cumé. Si je fais... Je sais pas des options pour voir... Je vais regarder les touches pour trouver les objets. Et merde, mais quel con. Pardon. Bon, faut que j'arrête d'essayer de les techniques, on va y aller en mode bourrin, on va se foncer dans le tas. C'est ce qui semble être la meilleure solution jusqu'à présent. Salut. Ils sont beaucoup là. Ok. Bon, j'ai tué. Ah, ok, d'accord. Je pensais qu'il fallait faire tous les ennemis pour atteindre le niveau. En fait, non, il fallait d'un point A à un point B. Vu qu'en haut à droite, j'ai certes éliminé 20 ennemis. Mais je n'ai pas tué tous les ennemis. 10 minutes, d'accord. J'ai été vu 10 fois. Ok, du coup, ça me retire un petit peu des points. Ok, bon, on a vu le début. Et bah, continuons là. Là, si on peut approcher un peu Sneak. Oui. Ah, ok, d'accord, non, je suis juste revenu. Salut! Contact de Seller. Oh! D'accord, mais je fais. Ok, il y a un stream de. C'est quoi, je lui vends? Bon, ok, on s'en fout. Ici, il n'y a juste rien, pourquoi pas? On peut rentrer dans les maisons comme ça. Et ici, il y a encore au moins quelque chose. Ah, là, il y a juste un étage en dessous. Apparemment, il faut que je. Je veux pas lui acheter ça, moi. Et il faut. Oh. Je sais pas comment ça fonctionne, les gars. Inventory A, craft. En fait, on est chez nous. D'accord, on peut stocker des objets. Oh, pas mal. Zut. Oh là. Ok, il y a tout un système de crafting, c'est pas mal. Mais ça me dit pas où est-ce qu'il faut que j'aille en fait. Salut. Non, mais je veux pas voir les marchands, moi, je m'en fous. Ouais, c'est la moitié de tout à l'heure en fait. Ah, on a commencé. Mince, où est-ce qu'il faut que je. Où suis-je censé aller? J'ai pas d'objectif en fait. Est-ce que la démo, l'alpha, l'ex anticipé se termine ici? Je ne sais pas. Ce serait fort dommage. Voilà, non, peut-être qu'il faut que j'aille ici. Ah, attendez, peut-être. Ah, voilà. Ouh. Sensei, bandits will not disturb us anymore. Good. Hideaki, three of our guys didn't back from the mission. Find out what happened with them. Sure, Sensei. They went to outpost in the bamboo forest. Clan steal a claw, everything will be done. Training time. Oula. Oula, les skills.
Shinobi Katana, Assassination, You Can Quit Assassination. Oh, ok, cool, on a vraiment un arbre de compétences. Et là, si on peut débloquer ça, parfait. Ok, j'ai encore un point d'expérience. Ben, on va augmenter sa vie. Et j'ai fait un truc genre pour pouvoir faire des attaques, des assassinats en fait dans le dos, bah, comme genre j'arrive comme ça. Après, hop là! Ouais. Ok, c'est cool. On peut se cacher dans la herbe. Pas eu le temps. Oh, les bambous, trop stylé. Rien que ça, c'est cool. Allez. Attends, je t'ai pas bien caché. Du coup, on peut récupérer du bambou. Sympa. Qu'avons-nous ici? Allez. Oh, lui, là. Oh, oh, cool, qu'on a qui peuvent parer comme ça. C'est quoi ça, des boules de neige? Oh, c'est stylé! C'est pas des boules de neige. Mais c'est aussi stylé. Ah. Excellent. Pardon, moi ça me fait marrer ce truc-là. Là, il y a le bambou qui est tombé sur la tête, il l'a pas vu. Là, il y a l'assassination. Merde, le con! Je suis trompé de touche! C'est n'importe quoi! Ah, du coup, j'ai bousillé toutes les lignes de fumée là. Le con, puis j'ai perdu max de life. Moi, ce que je veux, c'est ma. Ah! C'est un tueur derrière. Bah, je sais pas. Oh, le feu est bien fait. C'est marrant, mais le 2D pixel comme ça, je trouve que le feu, ça rend bien. Lol. J'ai vu un truc, j'ai marché dessus. Ok, on va refaire le niveau. Je sais pas depuis combien de temps je joue, mais c'est très fun. Je pense que je vais m'arrêter un peu après. On l'a vu. Ok. Do Il n'a pas le temps de me voir. Ah. Ok, maintenant fais gaffe aux mines. C'est ce qui nous attend. Checkpoint. Ah. Ouais, avec le sang et tout, c'est vraiment cool. Là, il y a vraiment plein d'effets. Graphique, c'est vraiment sympa. Merde. Ah, c'est stylé, en fait ça marche. Genre il se confus et tout. Alors faut que j'aille libérer les prisonniers, j'ai même pas vu ce que je vais faire. Do not let the enemy discover you. Ah lol. Vous pouvez faire tout en stealth, c'est dur. Alors vraiment il faut que je libère les prisonniers. Il y avait en dessous dans la cave. Ah, c'est triple kill. Ouh. Ok, bah, les prisonniers ne sont pas ici. Et merde. Checkpoint. Ok. Allez, on continue d'essayer de finir ce niveau-là. Bah, en fait, je n'ai pas forcément besoin de tuer tous les ennemis et rester en stealth, en fait, c'est pour ça que c'est cette option là.
veux dire un arc. Loupé, remets. Ok. Lol. Elle approche. Ah. Oh oh. Gros risque là. Ha. Ok. Merde, j'avais failli tuer le prisonnier. Hideaki, I'm glad to see you. Where is Neko and Yasuo? How they caught you and why are you still alive? This woman, demon. Some force paralyzed us. Demon? What was your mission? Mamoru Imai buys large batches of gunpowder. Probably he is preparing an attack. We must find out what's his mind. Go back to village. I'll complete this mission. Hideaki, be careful. Ho ho, c'est stylé. Par contre, je sais pas comment j'ai passé moi. Ah, oh, ok, d'accord, j'ai terminé la mission. Ah, je crois qu'il y avait plusieurs prisonniers, mais non, en fait, il n'y en avait qu'un. Ok, continuez. Alors là, on peut retourner au village. Salut. Ah bah oui, c'est le mec. Salut. We need to improve your ninjutsu. Alors, je suis d'accord, mais du coup, ça... Ah, il faut utiliser le block button pour les tuer... enfin, les assassiner, en fait. D'accord, ok, cool. Regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre. You can spend more time in the infected area. Oh. Putain, il y a plein de trucs en fait, c'est cool. Press the attack in flip time. Ça me plaît bien ça. Alors faut d'abord que je fasse ça. Sharp jerk forward double tap. Ok. Cool. Alors je peux te reparler pour voir. If you know what happened to the neck in your soul. Not yet. Ah, je peux pas revoir mon arme de compétence. Ça se passe comment? Alors continue. Je peux pas avoir accès. Ah, il faut aller dans ma maison. Tac, 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 je crois que c'est ici. On va essayer de comprendre un petit peu merde, le système de craft et tout. Alors, D. Ouais. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Mais je sais pas comment ça fonctionne, wesh. Inventaire. Nous avons rien. Ok, non mais dégage en fait. Je suis en QWERTY, je sais pas trop les touches. Oh, on peut acheter des trucs là. Attends, j'ai que 20 pièces d'or. Ok, ça sert à rien. Et bah c'est vraiment vraiment sympa, j'ai même bien envie de continuer de jouer. Mais pour la vidéo découverte, je vais m'arrêter ici. Mais faut que j'aille où d'ailleurs, faut que je retourne là. Tadam! Free the prisoners, find and steal a scroll. Not let the enemy discover you, find and put your chest. D'accord. Ok, en jaune c'est les objectifs principaux et en gris les secondaires. Donc je vais m'arrêter là. Moi genre comment ça se fait que je suis noir? C'est voulu ou... Ok, you're less visible in the shadow. Oh, il y a ça carrément, d'accord, parce qu'en fait il y a de l'ombre. Cool. Bah, je vais m'arrêter là pour la vidéo découverte. Il n'est pas impossible que je fasse un let's play un peu plus long pour moi,
vouloir en jouer dessus un peu plus longuement bien sûr, et aussi pour vous en montrer un peu plus parce que c'est vraiment vraiment très sympa. Le seul hic, c'est voilà les contrôles qui sont bon, on s'y fait un peu, mais clairement avec un pad, enfin avec un contrôleur manette, ce sera vraiment plus intéressant. Une version française également, mais ça encore ça va, c'est pas trop problématique. Main menu, je regarde après si je reviens après. Continue, parfait. Si je fais CPQ, ok, en fait je termine juste la mission. You are dead. Ok, d'accord. Main menu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et sûrement que j'y reviendrai incessamment sous peu. Voilà, voilà. Merci, salut.